Alors lui, par contre, il joue quoi, lui? En fait, il joue Etna, non? Attends, tu sais quoi? Je peux banner une Etna. Il va prévoir mon ragdoll, je peux banner sa Etna. Boum. Target, sniped, ban, ciblé. Pour Oliver ou pas? Oliver contre Ren, c'est embêtant quand même. Ah, je prends Tmour. On va faire ça, hein. Oliver et Devaraja et Janna. Oh, c'est ça, elle attaque. Oui, 33, il reste quoi? Il reste Kryptomat. Ah. Vous pensez qu'il bat de mon échir, là? Oh, purée de pommes de terre. Bon, il y a deux mobs. Oh, mais bon. Feu, pardon. Mais bon. On a Mour plus robot. On devrait gagner, non? Ça. C'est ce clan qui va me faire perdre. Hé 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 hé, boy. Eh, c'est bon, hein. Les mecs qui ont TP les compos avec Wunsa, c'est bon, on connaît, on prend le robot triple nem dès le début, hein, on a compris, hein, c'est bon. Attendez, on faisait quoi comme pré-ban hier? Pré-ban Egang. C'est ça, hein? Hop là. Comme ça, on a Open Janna. Encore un pré-ban Ragdoll? Mais vous vous adressez à la mauvaise personne, est-ce que vous êtes au courant que moi, genre, si j'ai l'occasion de ne pas jouer Ragdoll, je le fais, hein? Genre, je suis pas un Ragdoll addict, hein? Vraiment. C'est pas parce qu'il est en position numéro 2 que systématiquement, je le pique à chaque fois, hein. Hello? Bon, du coup, il veut jouer Cleave. Pas du tout! Alors, pas du tout. Bah, je partirai là-dessus, hein. Une petite Juno. Ah bah là, on va sortir le Han. Hein. Le Han de combat. Et une Janna ou pas. Ou une Nikki. Nikki, j'ai manqué de punch. Une petite Syrah. On en dit quoi, une petite Syrah? On en dit que c'est peut-être pas la tech. Elle va prendre un Kinx. Et le pick Lucien est archi nul. Du coup, moi, je banne soit Juno. Soit Meiwang. Ou bien il va laisser le Kinky, il va ban le Han, du coup je ban juste le Miles et en fait le Kinky il gère la compo tout seul. C'est peut-être juste ça l'attaque en fait. On reset le Oliver, Kinky solo. C'est quoi? Je vais me mettre un petit break def là-dessus directement je pense. Skill 2. Si on a la proc, on peut tuer. Merde, il a revenge. Du coup, on tue pas. On le met à mal, mais on le tue pas. Ce qui est bien, c'est qu'on étonne ce truc-là. C'est pas mal. Ah, bah, il m'a stun. Ouais, il est proc violent. Ok, 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 ok. On va faire ça. Oh purée, c'est pas mal ça. Ok, il m'a pas stun. Ça c'est huge aussi. Pouah, il arrache mon truc. Attends, mais il arrache mon truc. Bon, il a skill 2, skill a proc. Mmh. Non, je vais crit. Ok, nice proc, mérité. Et là on est fine. J'ai mon skill 2, j'ai mon spell là aussi. Bah juste moi-même. Ok. Ban Léo, c'est à dire que ça va jouer la Adriana, Sonia. Bien ce qui me semblait. Bonne Vanessa. Ça, on va le tuer deux fois. Je pense qu'on n'est pas si mal que ça en soi. La vérité, il peut tuer que une fois Magiana et derrière, je quête, non? Et encore, je suis même pas sûr qu'il me tue, la vérité. Bien ce qu'il me semblait, hein. Janna. Bon, elle a raté là. C'est un peu pas de chance. C'est pas de peau en vrai. La vérité, c'est pas de peau. C'est pas de peau. Quoi?
Mais du coup, il a déjà son skill 2, c'est embêtant. Du coup, il peut me stun alors que bah, normalement, il aurait pas pu. Ah là 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 là. Je vous jure, les jeunes. Résistons. Fuck. Ouais, c'est chaud quand même là. En fait, faut que je tue ça maintenant. Et que Kinky solo. Kinky, do it, man. Faut que je tue ça à gauche là. Non! Oh purée de pommes de terre! J'ai pas envie de prendre spécialement Sagar. Non, juste se réfléchir. J'ai un stripper et là je vais prendre un stripper AO ici en last. Soit il se fait cliff CC, soit il se fait mono. Et j'ai un mob qui counter un petit peu ces trucs là. Surtout le Smicer, hein, pas vraiment la Sera. On peut juste partir sur un Ragdoll là, sinon. Non, Ragdoll c'est une fausse bonne idée contre ça. Après, si je prends Ragdoll et que je banne Syra, on est pas trop mal, la vérité. Je crois que c'est ce qui va se passer. Hein. En fait, moi j'aime bien l'idée qu'il a ici de prendre Etna et Nana ensemble. Bah, en fait, juste le problème, je trouve, c'est que. Bah, la Etna elle est squishy, du coup elle va vite perdre les sacs de la Nana. En plus, il me laisse un Veromoz. En fait, j'ai 4 mobs Omega Tonky, la Etna va rien me tuer. Elle va pas pouvoir cycler parce que j'ai Ragdoll. Je vais très vite tuer la Etna. Je pense que ça la Lasrota, Etna et Nana, c'est l'un ou l'autre, pas les deux ensemble. En tout cas, pas avec ce ban là. Et en plus, je loot speed. Alors quoi? Vas-y, j'y vais. Hein. Je me fais cut derrière, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, je fais ça. Le problème, c'est qu'il va me voler le buzz speed. Bon, c'est tout. Et là, je vais lui mettre une pêche déjà. Alors, Vio et elle proc violent à l'open. Bravo. Je pense que si je tape là, elle va mourir, elle va tomber, je peux pas. Oh là là. Décidément. Oh là 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 là, ok. On le laisse dormir lui. Faut le tuer. Dommage, j'aurais du skill 2. Et là, il va avoir la sustain. Juste tuer. Mais globalement, on peut pas trop la perdre. Là, il n'y a plus de break def. Il y a juste la Etna qui a le œuf. Mais si elle fait œuf, je reprends un tour entier. Derrière, c'est gagné, quoi. Voilà. Et bah, c'est terminé. Revenge. Il n'y a plus de dégâts. Ah, la compo Nana Etna en dernier rota, c'est pas fou. Hein. Vraiment une erreur. J'ai les œufs et Keshir ici. Et Marisa TB, mais ça suffira pas. Je pense que je fais les œufs, hein. Je fais pas le skill 3, même si à break def c'est juteux d'aller taper dedans, mais. Je croque pas et. Bah. Dommage, j'aurais détruit là avec mon Hachir. Mais je vais attendre un break def, hein. J'ai juste fait un skill 1. Un petit proc, on met des petits skill 1. Hop. Voilà mon pote le Hachir là. Il rigolera pas. Si. Là-dessus. Et ben Janna. No. Ashur, Gapsu. C'est bruiseur tout ça. En fait, il m'a pris le Ashur en mode comme si je jouais. Là, la Pra, je la trouve limite un peu intéressante. C'est vrai que j'ai ma Pra de ruiner du coup. Pra is back. Mais là, on va jouer Anne, je pense. Et tu sais quoi, petite Nikki. Allez, c'est longtemps. Mais j'avoue, quand je fais le combo Anne-Nikki, je préfère avoir une Vanessa quand même qu'un Ange. Mais c'est pas grave.
En fait, le ragdoll, il me dérange pas, non, je m'en fous. On va plutôt faire ça. Je prends une deuxième sustain. On jouera par la même occasion. Et l'idée, c'est que... en fait... Ah, c'est un chandra suif, j'ai perdu. Ah, si ban ça et que c'est un chandra suif, c'est la merde. Ok, attends. Non, c'est fine. Je crois que je vais aller là-dessus. Pour mettre le break death parce que c'est ça que je veux qui cleanse. Ah non, c'est Gapsu, j'aurais dû aller sur le Gapsu. Oh, je peux pas skill 3 là, si. Je peux pas skill 3 là. Dommage, j'ai pas eu la TV, j'ai pas eu. Ah! Ouais, c'est embêtant ça. Je suis obligé de faire ça, je pense que la show me dérangeait plus. Le Dusty, c'est peu d'herbe en fait, il a le droit. Et puis au pire, si. Bah, il veut pas de dégâts au pire. Au pire, il a pas de dégâts, hein. J'ai eu le skill 3 en fait. Je vais heal avec la pra derrière. Le Dursley, ça avait pas de dégâts. What the fuck? Je sais ce qu'il a là où il y a le Bugdef. En fait, je vais là pour un tour. Non, ok, je vais peut-être pas là plein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je booste un TB ça et réduire ça. Pas du tout. Et il est tranquille Daphné. En fait Daphné full tank en Nemesis. Mais full tank sur le coup. Bon il a perdu quand même anyway. Ouais sur Daphné c'était vraiment Omega tanky. En fait ça a bait. Il a Laura, il a Julianne, je crois qu'il a tout. Hein. Allez. Ah, c'est encore bien ici, on en pense quoi. Gênant un peu Tianlang en vrai. Duman. On banne Tianlang et on prend un robot. Pas mal ça, non? What the fuck? Attends, mais là, on va le détruire. Qu'est-ce qu'on tue là? On tue Duman, on a gagné Astante. Hein. Il faut qu'on mette le breakdev sur Duman par contre, parce que je pense qu'elle a Sandraise. On tue Duman, c'est GG. Hein. Ok. On stun Velajuel. Non, il va se faire clean, on va stun ce truc là. Parfait. Taper ça. Hey, il me lape. Est-ce qu'il a réussi alors du coup? Non? Waouh. Eh ben. Le slip, hein. On va heal, on va speed. Waouh. Hop. Je le fais, je pense, non? Oh, je le fais. En fait, il me dérange, moi, c'est le Chandra. C'est la TV du Chandra qu'il faut que je contrôle. C'est pas le Vela Joel, je m'en fous du Vela. Oh, ça. C'est ce clair moi qui m'embête.
C'est quoi, j'assure le secou. Jana direct, il me le laisse. Il a semé aussi. Ouais, il a semé. Ouais, elle a compte de dingue. Ah, c'est le joueur de Ragdoll Zenizek. Merde. Ouais, il fallait me le dire plus tôt, ça. Oh, mais Zenizek, qu'est-ce que c'est broken. En vrai, il me casse tout mon combo. Toute ma compo est cassée à cause de juste Zenizek. Hein. C'est tellement fort. Vraiment trop fort, Zenizek. MDF, un mob de fou. Je vais prendre Veromos. Veromos, c'est aussi un mob de fou. Robot, vent, c'est comment ici? En fait, il va ban Sagar anyway. En gros, il va ban Sagar et il va prier pour un proc violent. On les connaît, là, ces joueurs. En fait, je banne ça. Et soit je le détruis avec Anne, soit je le cesse avec Sagar. Sagar est un gros counter à Zenizek, grâce au taunt. Après, peut-être qu'il mousse avec son singe, mais je vois pas ce qu'il fait. Il est rapide à son singe. Résistance. Bah, du coup, il peut me stun. Oh. Oh. Chier. Oh. Ah ouais. Et il proc violent. Oh. Ah voyons. Du coup, il me vole mon buff. Ouais, bah il faut aller tuer Zenizek, hein, c'est la sustain, pas le choix. Le dong il est full tank, ce clan on peut pas le tuer. Et ce clan est en Nemesis, faut pas qu'il proc violent quoi. C'est une erreur, j'ai misplay. Du coup, il a pas à tour. Il en aime. Oh, je la procure ça vraiment. Ok, on devrait quand même pouvoir le faire normalement. En fait, le truc c'est que. Juste le fait qu'il ait pris le dong me fait gagner quoi. Le dong, c'est vraiment sus. C'est quoi? Le dong, c'est vraiment pour donner des points aux autres, hein. Ah, ça nickel, Tao, ça nickel. Ah, merci. Zenizek plus Ragdoll, c'est la femme, c'est trop fort. Zenizek plus Ragdoll, c'est trop fort. En fait, Zenizek plus un autre mob d'Anticlif CC, c'est complètement fumé de zinzin, quoi. Genre avec Eleanor, Zenizek, Tianlang, même avec Tianlang. Hein. Tous ces mobs-là, c'est ensemble, en fait, ça, c'est juste en deux mobs qui counter vraiment trop de trucs, quoi. Oh, mon poney! Il a Julien Akame? Bah, apparemment, ouais. De toute façon, la question, c'est qu'est-ce que ce cours n'a pas, en fait. C'est plutôt ça, la vraie question. En vrai, la vérité, on n'est pas trop mal, là, je crois. Tianlang, il n'a pas. Ouais, c'est ça qu'il manque Tianlang, hein. Ah, Tianlang, ce serait vraiment fort aussi, sur compte. Ah, il est en wheel. Oh, ça c'est pas de peau ça. Après il peut pas break dev du coup. S'il m'avait stun, j'avais gagné la game. Malheureusement il m'a pas stun. Il sait. Ah, c'est dommage là parce que. En fait, si avec Bergil il avait réussi à mettre le. S'il avait réussi à mettre le stun sur Janna, j'avais gagné à stand. Genre vraiment, c'est un no match. Là, je tue si je crit. Dommage, j'ai pas mal de taux crit. Hein. Si je critais, j'avais gagné. Est-ce que là, il peut me mettre le break def? Ah, il le met là? Oh. Attends. Il y a Glancing là. Il me faut un proc violent. La glancing. Bon, ok, mais j'ai pris le break def. Pas grave. Et ça proc ça. Il peut me stun. Pas de chance. Là-dessus.
je fais. Là, Kinky solo normalement.